Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'instinct qui oriente ton comportement à courir après les chiens, les vélos, les chats ou tout ce qui bouge. J'organise mon premier séminaire le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018. Deux jours où vous allez découvrir plusieurs approches positives pour éduquer correctement votre chien. Et bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchat, l'expert canin, bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques instants, je suis éducateur comportementaliste canin depuis plus de 7 ans, je dirige et j'ai créé un centre canin EducDog à Montpellier, et surtout, eh bien, j'ai développé une méthode unique, la méthode positive EducDog, car quand j'ai commencé, il y a de ça 8 ans, il n'existait pas encore de méthode positive auxquelles j'étais formé, c'était souvent des méthodes basées sur les sanctions, les colliers étrangleurs et tout autre artifice basé sur la violence et la contrainte, et j'ai rapidement changé de philosophie pour éduquer un chien en douceur. Allez, maintenant, place au conseil. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir qu'est-ce qui pousse votre chien à courir après les chats, après les chiens, après les joggeurs, après les vélos ou tout ce qui bouge et est en mouvement. On va parler un petit peu comportement. Aujourd'hui, si votre chien a ces comportements-là, ce n'est pas grave, mais je vais vous expliquer pourquoi votre chien développe ces comportements et comment on va pouvoir mieux les utiliser. Dans un premier temps, il faut savoir que votre chien est contrôlé et dirigé par des instincts. Le premier instinct le plus important que nous avons vu dans la vidéo précédente est ce qu'on appelle l'instinct de survie alimentaire, et je vous invite réellement à consulter cette vidéo. Aujourd'hui, si ton chien court après sa balle, court après un chat, court après un chien, un vélo, des joggeurs, c'est à cause de ce qu'on appelle l'instinct de prédation. L'instinct de prédation, c'est ce qui amène chaque chien à chasser, à courir après un jouet ou après quelque chose en mouvement. En effet, nous y sommes nous aussi soumis humains. Tout objet en mouvement sera susceptible de provoquer le déplacement, par exemple, du regard ou carrément du corps, que ce soit pour nous ou pour votre chien. Aujourd'hui, votre chien, si l'instinct de prédation est trop développé ou alors pas maîtrisé, eh bien, dès que votre chien verra un chat, verra un jogger ou verra un vélo, il va être un petit peu instable et il aura envie de lui courir après. Ces instincts-là mènent à quoi? Eh bien, premièrement, ces instincts de trop d'instinct de prédation vont faire que dès quelque chose sera en mouvement, eh bien, vous aurez un chien qui n'obéira pas ou vous n'allez plus exister pour lui. Vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, un piéton qui arrive face à vous et votre chien est un petit peu trop foufou. C'est un autre problème, on a discuté ensemble dans une précédente vidéo de trop de socialisation. Je vous invite réellement à regarder également cette vidéo. Tout ce qui est en mouvement va donc provoquer chez votre chien les comportements de prédation, de course et de courir après. Cela veut dire quoi? Si votre chien en laisse, ça va générer les comportements d'excitation, d'aboiement et de morsure redirigée. Qu'est-ce que la morsure redirigée? Simplement, si votre chien ne peut pas atteindre une cible et qu'il veut la mordre, il mordra ce qu'il y a à côté. Souvent, certains maîtres peuvent se faire mordre dans ces cas-là, mais je vous rassure, ce n'était pas intentionnel de la part de votre chien. Deuxièmement, si votre chien est sans laisse, eh bien, il va se mettre à lui courir après. Et à ce moment-là, vous n'allez plus exister. Donc, c'est les problématiques majeures, et trop d'instinct de prédation ou un instinct de prédation qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas dirigé, fait que votre chien ne vous obéira pas à la moindre vue de quelque chose en déplacement. Vous avez déjà fait appel à des soi-disant professionnels, éducateurs, dresseurs, comportementalistes, mais aucun n'a su vous apporter les solutions à vos problèmes. Vous aimez votre chien et vous voulez lui offrir une autre chance car vous savez qu'il peut changer. Et surtout, vous voulez partager une relation pleine de complicité et d'harmonie avec lui. Vous avez découvert Vincent Marchal à travers ses vidéos où il partage sa passion et ses conseils grâce à sa méthode positive, unique, simple et efficace, la méthode EducDog. Savez-vous que tous les comportements que votre chien a appris, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes peuvent être changés en ayant le bon mode d'emploi et la bonne méthode pour lui réapprendre les bonnes manières? Alors choisissez l'un des meilleurs éducateurs de France avec sa méthode positive. Le seul éducateur à partager autant de savoirs, de compétences et de solutions pour vous aider dans l'éducation de votre chien, et tout cela en vidéo sur votre téléphone ou ordinateur. Rendez-vous sur son site pour découvrir toutes les formations vidéo d'EducDog. Parce que l'éduquer, c'est l'aimer, l'éduquer, c'est se former. Maintenant, je vais vous donner deux conseils pour vous permettre d'utiliser et de mettre l'instinct de prédation à bon escient de votre côté, du côté du maître. Premièrement, à chaque fois que vous allez utiliser le jeu, vous mettez à contribution l'instinct de prédation de votre chien. Alors, pourquoi ne pas lui apprendre ce qu'on appelle à ouvrir la vanne ou alors à la fermer? Je m'exprime, pas de souci. Ouvrir la vanne et la fermer, comme j'aime dire, ça permet d'apprendre à un chien quand est-ce qu'il a le droit, par exemple, de courir, de partir, de jouer, et à quel moment on a le droit de lui interdire. Par exemple, si vous ne voulez pas qu'il court. L'intérêt d'apprendre à ouvrir et de fermer la vanne, ça permettra que si vous dites non à votre chien, il restera à côté de vous. Si vous lui dites oui, il pourra aller jouer. Comment apprendre à ouvrir et à fermer la vanne, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple, avec une laisse et un jouet.
Vous allez simplement tenir la laisse très courte, avoir votre chien assis par exemple, si vous le souhaitez, jeter la balle, vous attendez quelques instants, et à un moment même, vous détachez la laisse, et au moment où vous détachez la laisse, allez go ! Vous allez répéter plusieurs fois cet exercice, jusqu'à ce que votre chien n'ait plus le comportement où il veut partir. C'est pour ça qu'on utilise une laisse au début. Ensuite, vous reproduirez le même exercice avec le pied sur la longe ou la laisse et vous décalerez d'un petit mètre sur le côté. Vous lui dites non, vous lui dites pas bouger, vous lui dites tu restes, vous jetez la balle, votre chien est immobile, allez go ! Comme ça, vous lui apprenez un ordre, stop, non, pas bouger, un ordre pour fermer la vanne et un ordre pour l'ouvrir, allez go, va jouer, vas-y. Une fois que vous l'avez suffisamment travaillé en présence de ses jouets préférés, mettez-le, et c'est mon deuxième des conseils, en application dans la vie réelle, quand vous croisez des personnes. Quand vous croisez des chiens, quand vous croisez des stimuli auxquels vous voulez qu'ils courent, si bien sûr vous ne voulez pas qu'ils courent après des vélos, ne le faites pas, je vous rassure. Mais le fait d'orienter, de contrôler déjà son instinct de prédation dans le jeu va vous permettre de contrôler son instinct de prédation lors des promenades. Donc vous le mettez en application quand il voit des chiens. Vous mettez la laisse, vous lui dites non, vous enlevez la laisse par exemple, vous attendez un petit peu, et quand vous le décidez, allez go ! Et vous allez mettre en application ces petits exercices dans la vie de tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel sur l'instinct de prédation de votre chien. Je vous invite à mettre une énorme papate bleue sur ce tutoriel. Deuxièmement, je suis en formation ici aux États-Unis pour EducDog. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le comportement de ton chien quand il voit des chats, des joggeurs, des vélos ou les chiens qui courent. Et troisièmement, je t'invite réellement à rejoindre la communauté EducDog en t'abonnant, car je publie 2 à 3 vidéos par semaine sur la thématique de l'éducation canine et le comportement canin, afin que tu comprennes mieux ses comportements et surtout que tu partages une relation pleine de complicité et d'harmonie avec ton chien. Je tiens à vous offrir les 3 premiers modules de ma nouvelle formation éduquée par le jeu en 5 minutes par jour. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo ou tu arriveras sur une page, tu n'auras qu'à me donner ton adresse email que je puisse t'envoyer ces 3 vidéos 100% gratuites. Je te remercie et à tout de suite dans les 3 premier module de la formation éduquée par le jeu en 5 minutes par jour. On l'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer. Ah oui, maître EducDog, avant d'arrêter cette vidéo, je tiens à dire une chose, que l'instinct de prédation, eh bien ce sera notamment un sujet important. Pourquoi ? Car ton chien est contrôlé par 3 forces qui dirigent et orientent tous ses comportements. Soit tu les maîtrises, soit il les maîtrise. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'annoncer une chose, eh bien c'est que je lance mon premier séminaire ici au Centre Canin EducDog avec l'équipe EducDog le samedi 2 et dimanche 3 juin. Alors si tu habites loin, eh bien c'est pour toi qu'on a mis en place ce séminaire. Et si tu me suis depuis pas mal de temps sur YouTube, j'ai envie de te rencontrer. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe EducDog, on a préparé 2 jours de formation, 2 jours de stage, 2 jours de séminaire, tu l'appelles comme tu veux, où on va EducDoguer ton chien, tu vas apprendre un maximum de choses sur les méthodes positives. Donc si ça t'intéresse, tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo et tu me donnes ton adresse mail. En cliquant sur le lien, tu arriveras ensuite sur une autre page où tu verras tout le programme du séminaire, un programme de dingue pour éduquer ton chien. Pourquoi ? Car n'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer et l'éduquer c'est se former au plaisir de te retrouver eh bien, le samedi 2 et le dimanche 3 juin ici au Centre Canin EducDog.